C'est parti déjà. Ouais. Ok, mais salut. Donc moi je suis Nicolas Lescombe, chef d'orchestre du JOSEM. On s'est rencontré il y a un peu plus d'un an avec Francis, parce que Francis a proposé un projet de créer, d'écrire une œuvre pour le JOSEM. Donc on s'est croisé pas mal de fois déjà. Il est venu écouter l'orchestre. A fait un peu le tour de tous les pupitres, on a pas mal discuté de comment sonner cet orchestre, etc. Après, il y a eu une longue période où je l'ai laissé travailler. Et puis là, on se revoit de nouveau avec le bébé vient d'arriver, quoi. Il n'y a plus qu'à l'habiller. On peut refaire? Donc, à l'attention des violons et violoncelles, allez-y un peu. Ta-da, ta-da-da, ta-da-da, comme ça, je veux l'entendre vraiment, ta-da-da, le rythme que vous devez jouer. Ok? Allez-y. 1, 2, 3. Scolaire qu'on pourrait écrire avec un triolet ou un truc comme ça, c'est le phrasé qui va plus ressembler à poudi bou bidou biou boudou bada bada plutôt que ta 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 ta. Donc ce qu'on veut vous faire faire aujourd'hui, c'est pou bidou baou bada bada, c'est ça. Alors je m'appelle Didier Ottaviani, je suis donc batteur de mon état. Je pense que je peux apporter à ce projet ma culture du phrasé jazz. Alors, ce qui est, on discute avec Francis, et ce qui est parfait dans ce qu'il a écrit et puis dans tout ce projet, moi je trouve ça super, c'est que ben, tous ces gamins qui sont là, qui ont plutôt une culture classique, moi je viens et je leur explique que ce qu'ils apprennent à l'école, c'est bien, mais qu'il y a cette connaissance du swing, ce phrasé qui n'est pas théorique, qui est vraiment... On a parlé de tradition orale, on a parlé de big band de jazz, et tout ça, pour leur culture générale, c'est un apport qui est magnifique, parce que c'est quelque chose qu'ils apprennent pas forcément, qui s'apprend pas à l'école. Par exemple, quand il y a des passages comme ça, où il y a trois noirs ou quatre noirs, un truc qui est vraiment super important, c'est la longueur de ces notes. Ça peut faire ou défaire le groove. Par exemple, quand vous êtes. Bon, là, en l'occurrence, en 3-4, c'est pas mal de faire des notes longues. Par exemple, quand vous faire. Je m'appelle Timo Metzemaker. Aujourd'hui, en fait, je suis là pour montrer principalement à la section rythmique du JOSEM comment on joue du jazz. Alors bon, c'est un peu ambitieux et un peu vaste comme sujet, mais en fait, on va essayer de partir des morceaux que Francis Mounier a écrits. Pour montrer un peu aux jeunes comment on fait pour interpréter ça de manière correcte, alors avec des gros guillemets autour, et pour se libérer un peu de la partition et à mettre un peu de vie et de swing dans ces choses-là qui doivent être jouées avec de la vie et du swing. Voilà, donc moi je suis là pour ça. 1, 2, 3 et... Et non, vous accélérez là. Trois, quatre, posez.
3, 4, posez.